Bonjour à toutes, hein. Donc j'avais fait le tuto, donc c'est un naissance 3 mois, donc les deux c'est des naissances 3 mois, donc un simple d'une seule couleur, et là je propose le tuto avec donc la version de couleur, qui donne un petit charme, donc voilà, tout simple, donc vous avez la vidéo sur ma chaîne. Et là, je vais faire le tuto avec le changement de couleur. Donc, qui est aussi facile que le tout simple. Seulement qu'il y aura juste un changement de couleur de part et autre. Donc, pareil, le même principe. On commence donc par ce côté-ci. Donc là, donc, on va tricoter. On va monter 25 mailles. On va tricoter pendant 9 cm. C'est exactement la même chose que l'autre côté, que celui-là. Au cas où, si vous avez vu la vidéo, ça sera la même chose. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous expliquer. Il n'y a pas de souci. Donc, toujours avec des aiguilles numéro 3. Et on va monter 25 mailles. Donc là, moi, ça sera du blanc. 25 mailles. La laine, toujours pareil, 3-4. Là, c'est orange, mais c'est un restant de laine que j'ai. Et c'est du 3-4 aussi. Hein. Le rose-violet, c'est pareil, c'est un restant de laine que j'ai, mais c'est du 3-4 aussi. Donc, là, on monte 25 mailles, on travaille donc au point mousse, tout à l'endroit, tous les rangs seront à l'endroit, pendant 9 cm. C'est très simple à faire. Donc, une fois qu'on a fait les 9 cm, je vous retrouve. Donc, une fois qu'on a nos 9 cm de hauteur, on va réduire de 12 mailles. Donc, on rabat 12 mailles. Une, deux, trois. On se retrouve une fois rabattu les 12 mailles. Donc ici, à l'avant-dernière, on la rabattra pas avec le blanc, mais avec un changement de couleur. Parce que là, on attaque le changement de couleur. Donc, on met le rose, tricote normal, et on rabat et on obtient le rose. Donc là, c'est ma 12e maille rabattue. Partir de là, moi je coupe pas le blanc parce qu'on va en avoir besoin en fait. On continue tout à l'endroit. Et on va tricoter sur ces 13 mailles. Donc si vous vous êtes pas trompé, il vous reste 13 mailles. Donc 13 mailles à l'endroit. On tourne le travail et on va faire un rang à l'envers. Donc tout à l'envers. Là, c'est le deuxième rang. Voilà, tout à l'envers. Ici, on n'a plus besoin du rose, donc il faudra avoir un ciseau à chaque fois à portée de main. Hop, on coupe.
On fera que deux rangs avec la couleur. Là, on reprend le blanc, qui est toujours présent ici. Alors, tenez bien à vos bouts de laine. Et là, avec le blanc, on repart tout à l'endroit. Quatrième rang tout à l'endroit. Donc on tourne le travail et on fait tout à l'endroit. Voilà. Alors moi je le fais au fur et à mesure, parce que j'aime pas avoir les bouts de fil, parce que là on va avoir un paquet de bouts de fil à se promener. Donc je fais mes petits nœuds au fur et à mesure. Et je coupe. Voilà. Donc cinquième rang tout à l'envers. À l'envers. Et là, on change la couleur. Sixième rang, on prend notre couleur et on va faire tout à l'envers. Donc sixième rang, tout à l'envers. C'est un peu beaucoup mon travail, je trouve. Sixième rang tout à l'envers, septième rang tout à l'endroit. Et on coupe le fil rose. Huitième rang,
Donc on reprend le blanc et on passe à tout à l'envers. Donc à l'envers, 9e rang tout à l'envers, 10e rang tout à l'endroit. Alors, je vais faire mon petit nœud ici, ce qui va m'éviter d'avoir des petits bouts de fil à traîner partout. Après, vous pouvez très bien faire ça à la fin de votre ouvrage. Moi, j'aime bien faire au fur et à mesure. Hop. Surtout que là, il va y en avoir un paquet, donc voilà. Là, tout à l'endroit. J'ai serré mon travail. Alors, ce qui va être moins évident. Donc, tout à l'endroit, le 10e rang. Et on va répéter comme ça, ces 10 rangs-là. Jusqu'à obtenir 9 cm de hauteur. Là, c'est un rang tout à l'endroit. Voilà. Donc ces 10 rangs-là, on va les répéter jusqu'à obtenir 10 cm de haut. Donc, c'est-à-dire, je vais vous présenter mon brouillon. Hein. Brouillon, c'est brouillon. Mais bon. Là, on est ici. Donc, le 10e rang à l'endroit. En blanc. Là, on repart sur le numéro 1. Rose. En droit. Rose en vert. Troisième, c'est blanc en droit. Quatrième rang, blanc en vert, en droit. Cinquième, un blanc en vert, un rose en droit, en vert. Un rose en droit, un blanc en vert, un blanc en vert et un blanc en droit. Et on recommence. Ainsi de suite pour obtenir ceci. L'éventail qu'on a là. Alors j'espère que vous comprenez. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs à faire. Et une fois arrivé là, on repart là-haut, donc changement de couleur, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir 9 cm de hauteur. Je vous laisse continuer.
Alors, j'espère que vous avez eu le temps de prendre des notes du rang 1 au rang 10 hein, et je vous dis à tout à l'heure. Une fois atteint donc 9 cm, donc de là à là, une fois qu'on a nos 9 cm, on va tout simplement rabattre toutes les mailles. Et je vous retrouve. Alors, pour rabattre les mailles, on tricote 2 mailles individuelles. Et on passe une par-dessus l'autre. Tout simplement. Et on va faire ceci tout du long. Et on aura fini de tricoter notre chausson. On va passer à la couture. Donc je vous retrouve. À tout de suite. Donc j'ai coupé donc tous mes fils, hein, le blanc, le rose. Et là, donc là je suis sur le devant du chausson. Je vais le plier en deux, mettre bout à bout les deux extrémités ici pour commencer ma couture. Donc, alors pour coudre, moi je prends un point ici, donc un V là et un V ici, et je couds comme ça tout du long. Alors, hop, je prends un V ici et je pique un V ici. On se retrouve une fois fini de coudre cette partie-là. Une fois fini de coudre sur le côté, donc moi je viens piquer ici, sur mon rebord ici, avec ma laine blanche. Et je vais faire, alors, je repique et on va faire un éventail en fait. Juste glisser le fil entre les mailles, et quand on tire dessus en fait ça va faire des petits plis, ce qui va donner la forme du chausson. Donc on va juste passer le fil tout simplement, et il faut bien que le fil soit coulissant parce que le but du fil en fait c'est de resserrer de l'émail, tout le travail pour faire une belle forme comme ici. Hop, sortir là, et je repique pour ressortir ici sur mon rebord. Et là je tire fort sur mon fil, donc voilà ce que ça représente. Voilà. De là, moi, je repasse en face pour consolider mon petit rond. Et je vais piquer ici pour consolider ma couture. Pour que ça tienne bien. Que le fil ne lâche pas, tout simplement. Je vais passer 2-3 fois. Et je fais un nœud. Voilà. Et je coupe. Une fois fait ça, vous voyez ce que ça donne. Hein, on va faire la même chose, donc toujours à l'envers. Hein, la même chose à l'arrière. Pour froncer notre, donc moi je repique dans le blanc ici, et on va refaire la même chose pour froncer le bas.
et on pique dans le blanc à côté. Voilà. Hop. Une fois qu'on l'a passé, ben, même système, hein, on fronce le tout. Donc moi, je fais comme tout à l'heure, hein, je passe du blanc à blanc. Voilà, pour bien froncer. Et pareil, je repique dans ce qui est froncé pour consolider mon fronçage. Une fois fait ça, je viens ici, donc les petites boules à droite, une petite boule à gauche, et je vais coudre comme ceci pour fermer ici, tout simplement. Donc je prends une petite boule ici et j'attrape une petite boule en face. Voilà. Et je repasse mon fil dans la couture. Pour cacher mon fil. Voilà. Et je termine ici dans mon fronçage pour faire un petit nœud, camoufler la finition. Et je coupe et la couture elle est finie. Donc là on retourne notre travail, donc voilà ce que ça donne. Une fois fini la couture, voilà. Voilà, deux jolis petits chaussons citrouille. Donc voici. Donc le tuto est fini. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.